Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Les Habsbourg, ça dégage. Nous étions en guerre contre la Russie dans l'optique de... Pardon, j'ai une absence. Dans l'optique de donner plein de choses à la Suède. Voilà, faisons-le, au moins ça fera... Ça démontrera nos intentions aux Russes. Voilà. Voilà, Suède. Bon, déjà faisons ça, c'est déjà pas mal. Oh, les Timourides qui vont se faire ouvrir en deux. Un très bon moral les Timourides, faut l'admettre. Bon là il faut revenir rapidement et régler ce problème là-bas. Ouais ouais je sais. Alors ouais. On a pris Polos, qui est très bien, ça nous ouvre une voie là-bas. Là-bas. Tiens, va là-bas toi. Et va là-bas. Influence sur le pape terminé. Très bien. Est-ce qu'on va la voir cette bataille? Donne-moi le meilleur général qu'on ait. C'est le meilleur, c'est 5 de feu. Ouais. C'est une bataille. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, on l'aura. Allez, on y croit. On renforce au max de ce qu'on peut renforcer. Ils ont pas de canon. Bon, en plus, ils ont pas de canon. Ah si, ils ont des canons, excusez-moi, mais pas autant que nous. Fort bien, c'est fait. J'aimerais bien avoir le tic de morale. Voilà, on a pris le siège là, parfait. Ça les calme un peu, allons là-bas. Bon, c'est très bien. Renforçons. Attendant qu'il soit lock. Voilà. On emporte Polosk. Très bien. Bon, on les fait battre en retraite. Je pense que nous pouvons avancer maintenant. Et aller à Moscou directement. Poser nos grosses fesses. 3 de siège, donc autant que ça soit toi qui y aille, c'est plus rapide. Va là-bas, toi. Toi, va là-bas. Toi, va là. Toi, va là. Voilà. C'est bien, les Russes sont embourbés en Perse. Amusez-vous, les Russes. Amusez-vous. Et là, on va filer un coup de patte avec plein de canons. Voilà. Alors... Tu veux la paix? Ah ouais, bah ouais. Ah, le Portugal, beau gosse. Tlemcen, tu veux la paix? Ouais, bah donne-moi ton semblant de thune. Transfert. Et puis, bah, tu te casses, quoi. Pour eux uniquement. Ok. Merci. T'as été d'une utilité impressionnante. On a pris le siège d'Alexandrie. Très bien. On va aller par là-bas. Ah, là, ça a pété. C'est quoi? Le séparatiste flamand. Ouais. Merci, les Anglais, comme d'habitude. Hein. Merci beaucoup. Votre utilité n'est que croissante dans cette partie. Quignol. Bon, là par contre, il nous faut vraiment augmenter pour les techs. Là, ça vient de venir. Peste là, ceci étant dit. Y a qui d'autre qui l'a? Constantinople là. Bon, hein. Et là, du coup, là, ça devrait pop rapide, non? Ouais, parfait. Ça pop partout maintenant, ceci étant dit. Genre à Prague. Prague, tu l'as déjà. Krakow, tu l'as. Bah, du coup, ça coûterait combien? Entre nous. 8000 boulish. Un peu cher quand même. Hein. Mais bon. Pas grave, on va se rabattre sur pied Moscou.
Oui, ben on gagne en corruption, c'est pas grave. Après, peut-être que nos amis mamelouks sont calmés. Ah, pas de beaucoup, hein. Pourtant, on t'a mis en co-belligérant. Bah écoute, moi je vais pas tortiller des fesses, hein. Veux ça. Veux ça, veux ça. Voilà. Puis attends, toi, quitte à faire un état, autant faire un bel état. Hein. Transjordanie, ça, c'est machin. Ça... Bon, déjà, je veux ça. Pour terminer l'état, même si ça sert à rien. Ça, ouais. Ok, on va voir vers quoi on va aller. Non, 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 voilà. Ouais, le Sinaï, je te le laisse. Voilà. Donne-moi le Fayoum, un truc dans le genre. Fayoum, c'est pas. Ouf, ouah, vache, c'est quoi ces provinces, mon Dieu! Province à 42 def comme ça? Mais je ne suis pas contre, hein, bien évidemment. Bah écoute, je veux bien faire un petit crochet pour le faire. Ah, il me faut quand même 100% de score de guerre. Ça nous fait un poil de surexpansion, donc on va se calmer. Mais en même temps, 42 devs, tu t'attendais à quoi? Ouais, mais ça, non, en fait, je le veux. Mais ça, c'est bien parce que ça les coupe en deux et puis moi, ça m'éclate. Et nous, ça nous fait exploser. Mais on prend quoi comme province? Ouais, sans deck. Hein. Rien que prendre ça, ça fait un peu. Pouah, vache. Rien que de prendre ça, ça nous fait 100 de développement supplémentaire. Je m'en plains pas, qu'on soit clair. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal. On peut prendre les deux là seulement. Même si couper les Mamelouks en deux est toujours assez appréciable. Ouais, mais Alexandrie, je le veux en fait. Le Caire, on pourrait ne pas le prendre. En surexpansion, ça irait. Là, ça irait plus. Ouais, mais Alexandrie, 52 devs. Hein. Waouh! C'est Noël en juillet. Ouais, mais là, ça pique un peu quand même. Bon, et oui, bien évidemment, une coalition, mais ça, vous connaissez l'histoire. Et là, offre de paix, supérieur au score de guerre, allié en guerre, durée de la guerre. Ouais, bon, t'inquiète, t'inquiète. Ça va le faire. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh là là. Ah, les particularités. Ah oui, direct, comme ça. Genre, y a des particularistes qui pop. Et j'ai perdu des troupes à tous les coups. Allons là-bas. Bah, après, on peut prendre tout leur territoire. Hein. Je veux dire, tous ces territoires-là rapportent beaucoup en score de guerre. Hein. Surtout qu'il y a les Portugais qui sont dans la place. Nos ports sont en bleu. Ah, je les avais oubliés, eux. Ouais, tu dois faire tout le tour de la planète. Très bien. Magnifique. Ok. Va là-bas. Non, va là. Écoute. Plus intelligent. Ouais, c'est bien. Il va falloir que je le fasse à la mano, hein, c'est ça. Bah, bien sûr. Allez, va dans Zig. Toi, en attendant, va plutôt là. Ça sera plus rapide. Ouais. Forcément. Ça va être marrant. Ah! Mince, je perds une stab, comme ça. Ok. Là, ici, on a 30 000 hommes. Et là, on a dit, toi, t'arriverais quand? T'arriverais le 9. Et toi, t'arriverais le 13. Donc, toi, t'attends 4 jours. 1. 2, 3, 4. Et c'est où que ça va péter? Les Flamands, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, là, je pense qu'on peut se splitter, hein, sans trop de... Ouais, bah je sais. Mais c'est pas grave, il y a les gardes nationales qui arrivent.
Bon, on a pris Moscou, c'est bon, c'est torché. Je vois qu'il y a 60 000 hommes ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est se regrouper. Prestement. Ok. Marche forcée. Et on y va comme des bourrins et on les dégomme. Oui, d'accord. Attends que tu sois lock. Voilà, tu vas faire l'erreur. Très bien. À Koursk. Ah bah tiens. La bataille de Koursk de la Seconde Guerre mondiale. Oh, damn. Bah, ça sera pas à Koursk, tant pis. Voilà. On les bourrine, on devrait leur faire très mal. Ouais. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tiens, va filer un coup de patte, toi. Ah là-bas, toi. Bon, les Timourides ont un peu de... Non, même pas. Même pas. Ah! D'où coucou, toi? Alors, renforce. Et vas-y, avec un général, s'il te plaît. Et je crois qu'on paye trop en général, non? Non, on l'avait viré, autant pour moi. On l'avait viré. On va là-bas. Voilà, ça c'est très bien. Oh! T'es sûr? T'es sûr? Non, c'est ce que je me disais. Allez, casse-toi. Allez, on y va avec ça. Très bien, les Suédois vont nous renforcer. Parfait. Et ils se renforcent bien. Ouais, ils flanquent. Parfait. Allons là-bas. Voilà. Notre puissance est sans égale. T'es sûr? Et tu vas où toi? Ah, d'accord. Bon, bah viens. Problème. Ok, parfait. Parfait. Ça, c'est très bien ce qui se passe. Ok, ils remettent ici, bon, avec pas beaucoup de troupes, ceci étant dit. Toi, les pays outragés, retourne-y un coup, s'il te plaît. Bon, la France, on fera pas de miracle, hein. Mais pardon, voilà. Ah, les Anglais. Non, c'est même pas les Anglais, c'est ça le pire. Ils ont un Colombie-Britannique qui décide de venir nous filer un coup de patte. Super. Ok. On y va. N'inquiétez pas, les renforts arrivent. Ils se sont cassés au bon moment. Oui, c'est vrai, j'avais encore eux, je les avais zappés depuis le temps. Bon, je pense que les Mamelouks. Non, ils sont encore à moyen. Mais mec, t'as plus de pays là.
Franchement, je pense que ça aurait été plus rapide de qu'ils fassent le tour eux-mêmes. Bon. Strasbourg révolutionnaire, très bien. Ouais, le dernier, ça, on n'en parle plus. Allez, plus vite. Allez, go. Pour moi, en général, qui tabasse. Ah, on a combien? Attendez. Allez, on en retente un bon. Ouais, 4-2 sièges, c'est mieux que... Non, 4-2 sièges, on s'en tape. Il y en a encore un. Allez. Voilà, voilà. Fallait juste gueuler un coup. Et on peut entraîner... Ouais. Bon, allons leur dire bonjour. Là, ici, on va y aller comme ça. On va mettre un général. On va prendre celui-ci. Voilà. On va aller là maintenant. Bon, les Mamelouks. Bah oui, mais attends, Mamelouks. Tu sais bien que je suis gourmand, moi, comme garçon. Il y a 100 cas russes là, il faut faire attention. La garde nationale arrive. Mince, j'ai oublié 4000 hommes. Bah, en innovation, c'est toujours appréciable. Allez, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Voilà. Renforçons et prenons le meilleur pour le moment et allons leur taper dessus. On devrait faire le ménage quand même là-dedans. Les 80 000, je suis moyennement convaincu par contre. On aurait eu le tic de morale au moins. Ouais, mais là par contre, je suis pas magicien. Alors, on va devoir battre en retraite là, je pense. Ouais, on va battre en retraite. Allez, c'est pas grave. Bon, alors, même look. C'est bon, t'as faible? Ça passe? Magnifique. Par contre, ça nous fait dépasser notre... Alors, ça le fait dépasser, mais... Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Parce que je crois que... Si on remet ça... Maintenance des ethnies. Non, c'est pas celui-ci. C'est peut-être celui-ci, coût de construction. Non, c'est celui-ci, en fait. Discipline, n'est-ce pas ? C'est pas celui-ci. Qui... Attendez. Il y en a un qui est... Bon, non. Bon, en fait, on s'en tape. Bah, on aura plus de 100. Hein. C'est pas... C'est tant pis. Ça nous coûterait 300. Bon, bah, quitte à avoir plus de 100, autant que ça soit plus de 100, quoi. Voilà, 120. On a les points, on a les points. Par contre, ouais, ta thune... Ça pourrait m'être utile pour mes beaux jours. Voilà. Bon, après, il y a d'autres. Ouais, mais on va attendre un peu. On va attendre. Voilà. Séparatistes flamands qui sont là-bas. Ok. Toi, va là-bas. Je pense que les Hollandais vont retourner en arrière. Allons là-bas. Allons ici.
Voilà, on est en train de prendre un peu plus. Plus le temps passe, plus on leur bouffe des territoires. Oui, bah, séparatiste, on est au courant. Ok. Fusionne-toi ici. Et on va te montrer comment ça se passe en fait. Je renforce. On renforce au maximum. Ceci dit, là, on pourrait les attaquer. On a le meilleur général. Ah, j'aurais dû attendre. Pas grave, pas grave. On peut prendre... Ouais, mais non. On est déjà trop en retard pour ça. Suède, t'as des... Non, c'est bon. Moldavie, t'as pas de dette. Très bien. Byzance, mon Dieu, Byzance, quoi. Voilà. T'étais utile à une époque, mais c'était à une époque. On peut aller là-bas. Oh, les Anglais ont débarqué au bout d'eux. Attention. Laissez-moi faire un bref calcul. Un bref calcul. Au bout de 3 ans, ils ont dit, bon, allez, on va débarquer, les gars. Bon, toi, je vois que t'as du mal. Je vais t'aider quand même. Voilà, comme ça, on est en train de prendre tout leur territoire au même look. On a emporté Munich, très bonne nouvelle. Allons là-bas. Prenons un 3 de siège. Voilà. Bon. Là, il va falloir vraiment faire quelque chose. Ça devient critique la contre-attaque là. Là, on peut faire un truc. On a une armée. Voilà. On a perdu un mec. C'est lequel? La répute, ouais. Allez. On n'est plus à la répute là maintenant. On va reprendre Riazan. Allez, vite, s'il te plaît. Voilà, 49%, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça c'est en train d'être pris, ça va être pris. Voilà, qui est fait. Même look. Un peu plus de thunes. Ouais, mais voilà, t'as vu qu'on s'arrange. Il y a des réparations de guerre, hein, parce qu'on n'est pas des bêtes. Donc là, je te coupe en deux. Surexpansion, ça coûte très cher. Une coalition, un classique. Et pour toi uniquement, hein, je précise. Merci beaucoup. C'était appréciable. Ok, go. Voilà. Oui, on va devoir, je pense, légitimer au hasard. Voilà. Vraiment au hasard. Toi, tu vas te regrouper au Caire. Toi, tu vas te regrouper à Alexandrie. Toi. Ouh, putain, vache, ils ont du peuple, hein. Ouais, ils sont en train de recruter en masse, nos amis. Ouais, bah, perdons de l'argent, c'est pas grave. Ici, c'est bon. Là, ça devrait tomber. C'est bien. Brisgau, c'est tombé. Parfait. Et si on peut aller leur dire... Non, il faut que je prenne quel fort, là, encore? Celui-ci, celui de Franche-Comté. Bah oui, tant qu'à faire. Allez, s'il te plaît, renforce-toi prestement. Je n'ai pas que ça qu'à faire. On a perdu Moscou. Tiens donc. Ouais, bah je sais, je sais. J'étais un peu gourmand, je l'admets. On peut faire quoi là? On peut rien faire pour le moment. Ne faisons rien. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, ce qui va se passer là. Voilà. Casse-toi, ça fait toujours 20 000 hommes de moins. Ensuite, allons là-bas. Donc là, on a pris la Franche-Comté. Très bonne nouvelle. Prenons un général qui tabasse. Ah, il est occupé. Il est occupé.
Il doit être occupé là-bas, je pense. Ah oui. Allez, tombe s'il te plaît, Riazan. Merci. Retournons à Moscou. Retournons avec un mec qui a du siège. Voilà. Toi. Allons tabasser ces pleutres. Mais pourquoi? T'as la tête de cette armée là, toi, ouais, évidemment. Bon, va là-bas vite fait. Allez, plus vite. Et là, en voyant la garde nationale avec. Voilà, parfait. Ah ouais, casse-toi, c'est bien. Tu vas à Liège? Pas de problème. Allons à Liège. Bah, je vais prendre Liège alors. C'est pas grave. Particulariste ici, non. Là-bas, oui. On peut essayer un port en quarantaine, oui, tout. Hein. Voilà. Casse-toi. Voilà, parfait. Wow. Ah, mais c'est pas vrai, ils sont combien? Mais oui, c'est clair. La petite guerre de coalition contre notre tronche. On apprécie. C'est très... Ouais, bon, l'Espagne, en fait, tu sers à rien. Ok, on est tout seul, c'est ça? Ah, pourquoi j'ai cliqué, là? C'est bien ou pas? Je pense, non? J'ai cliqué comme un abruti, parce que je dis, ah, c'est beau. Ouais, morale terrestre plus 10. Ouais, voilà. Donc, on n'est pas aimé. Mais à quel point? Oh putain! Bon. La France a rejoint, ouais. La France a rejoint. Byzance aussi, la Suède aussi. Ouais, nickel, gros, nickel. Ouais, bon, bah, je pense que cette. Bon, écoutez, de toute façon, là, tant pis pour les Pays-Bas. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre, tout ça. Je regarde jusqu'où on peut aller, hein, dans la simulation. Belle simulation quand même. On pourrait prendre tout ça. Ouais, ok. On pourrait fermer la mer Noire. Toi, t'as envie de ça. Ok. Mais je vais te donner aussi ça. Non, pas à Byzance. C'est moche ça par contre, bon c'est pas grave. Pas Byzance, pas Byzance. Moldavie, voilà. Faut donner ça à Moldavie. Pourrait donner des trucs aux Timourides. Parce que les Timourides peuvent après rejoindre notre guerre. Ok, bon on va faire la simulation. Allez, Suède.
Du coup, notre on va se faire dégommer notre garde nationale. Casse-toi. Du coup, on va devoir augmenter la. Commerce à Alexandrie. Ça en réserve militaire, ça donne coup. On pourrait créer une compagnie commerciale partout ici, en fait. La compagnie commerciale du Caire. Ok. Alors on va continuer à donner des choses. Bon, ça va être à la Suède, du coup. Ça, la Suède, hein. Autant accuser le coup, quoi. Et toi, Moldavie, ouais, tu te prends ça, quoi. Ouais, allez. Toi, Moldavie. C'est vrai qu'on délaisse Byzance depuis quelques. Bah, je parle de Byzance, je clique dessus, bien sûr. Moldavie. Est-ce qu'on pourra aller jusque-là au moins? Bon, on va terminer cette guerre, voilà. Cette bataille. Ok. Vite, voilà. Parfait, on leur a fait mal. Écoutez, hein, si on peut donner ça à la Moldavie, pourquoi pas. Après, le problème de donner ça, c'est pas énorme non plus. On pourrait faire ça dans un. On va faire la simulation vite fait. Oh mon Dieu. Ouais, bah en plus tout ça, ça passerait, ça le pire dans l'histoire, quoi. En fait, j'ai pas envie de prendre des territoires pour nous. J'ai pas envie de prendre des territoires pour nous, en tout cas, parce que ça va être le bordel. Voilà. Ce tout-là, je le prendrai pas. Moscou. Oh, salut. Moldavie, ça te branche, Moscou? Lol, on pourrait prendre Moscou, quoi. Oh, ça serait sympa, hein. Ou on pourrait. Genre, tu peux libérer un truc ou pas? On peut libérer la Finlande, la Géorgie, le Kazan, Novgorod. Non, 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 on va se calmer, on va pas récupérer Novgorod. Riazan. Non, non, non. Non, mais écoutez, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Moscou, on le prend pas. On le prend pas. On prend pas Moscou, on prend pas ça. Ça m'ennuie par contre, je pourrais pas leur donner. Après, je peux le garder pour moi, mais je pourrais pas le légitimer. Il va falloir que je termine ça dans la guerre. Ouais, je le prends pas.
tant pis. Par contre, je peux faire ça, donner ça à nos amis. Ensuite, donner ça à nos amis Timouride. Tu veux quoi, Timouride? Tu veux ça? 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 Tu veux quoi d'autre? Tu veux ça? Ouais, tiens, cadeau. Ça? Ça? Tu veux ça? Ça, tu veux pas. Ok. Si, je pourrais, hein, mais... Bah écoutez, on peut faire ça. Ça passerait pas. Bah, on va se calmer, alors. On va faire ça. Je prends pas ça. Je prends pas ça. Alors moi, j'aimerais bien que tu sois lié à mon territoire. Mais si je peux me permettre de le faire... Voilà, on va un truc comme ça. Ta thune. Voilà. On prend pas Moscou, mais bon, disons qu'on les ampute à minima. Nous, on aurait de l'expansion. On prend quoi? Qu'est-ce qu'on prend qui n'est pas à nous? Ah, oui, bien sûr. Mais non, mais j'ai fumé là. Ah, Moldavie. J'avais dû fumer. Parfait. Et là, du coup, théoriquement, voilà, on chope pas d'expansion agressive. Voilà. On ferait un truc comme ça. Et bah, il faut qu'on s'occupe de ça maintenant, hein. On est en guerre contre les Français? Bah ouais. On peut directement aller à Paris, hein, ceci étant dit. La garde nationale. Ouais. C'est qui a balancé la guerre? C'est Aix-la-Chapelle. Ouais. Bon, après, les Anglais sont dans la bataille. Ça peut être très bien. Les Français sont dans la malle. Nous sommes le foyer de la révolution. Donc nous chopons un moral. On va terminer là-dessus. Juste pour voir. Nous. Ah, c'est tout? Ah non. Waouh! Moi qui me disais que les Anglais étaient nuls. Pourquoi? Réforme de l'achat des gardes militaires. Ensemble de doctrine, qualité, esprit de corps. Qualité d'un, et t'as beaucoup d'absolutisme. Bah, GG Angleterre. Ah oui, Danemark, c'est chaud. Ah oui, d'accord, ok. Et en plus grosse, c'est nous avec la Russie. Bon, la Russie est en PLS, là. En termes de réserve militaire, si dit nous aussi. Nos ennemis. Ouais, c'est nos ennemis actuels. Mais la France, elle a pas de réserve militaire, elle roule aux mercenaires. Bon, elle a quand même 150 000 hommes alignés, hein. Faut pas... Mara, Venise... Ouais, il roule aux merc. Ok, et en termes de... J'aimerais bien voir qui a des... T'as pas d'emprunt, la France. Ok. Ok, bon, on verra cette guerre au prochain épisode. Bon, bah, vaut mieux que ça arrive à la fin de la guerre qu'en plein milieu. Et là, on avait dit qu'on ferait des compagnies commerciales, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Pour être tranquille. Voilà, compagnie commerciale du Caire, c'est toujours bien. Ouais, on gagne quand même vachement. Bon, il y a peut-être des choses qui n'auraient pas dû être faites, mais bon. Parce que là, on voit, en impôt, on gagne rien, en production, c'est pas mal. Et là, si je clique là,
Ah ouais, c'est quand même vachement rentable. Ouais, bon, là je me tape un malus. Ouais, mais bon, là l'épisode a déjà trop duré, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus les gens.